Bonjour, moi je suis acteur, moi je suis producteur. Ça va trancher, chérie. Pour le moment, la série est toujours en production. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'explique, le docteur Hunt est une neurochirurgienne de renom qui subit un accident et se retrouve médecin légiste et s'acharne à résoudre des enquêtes entourées d'une très bonne équipe où ils étalent leur vie personnelle, mais plutôt de façon intéressante. Pour le moment, c'est cool, frais, détendu, mais à la fin de la saison 2, c'est le drame. Un fucking cliffhanger suivi de la disparition de 4 acteurs. Disparition! Selon la production, la série était en perte de vitesse et une réduction budgétaire avait été votée. Perte de vitesse? Mais what the foutu putain de fuck? Oui, les scénaristes, même si ta série a 10 millions de spectateurs, mais seulement 2,6 des 18-49 ans, on te retirera 40% de ton budget. Une réduction budgétaire, qu'est-ce que ça implique? En gros, au lieu de te filer 100% de ton budget, on ne t'enfile plus que 60%, ce qui se caractérise le plus souvent par une réduction du nombre d'épisodes dans la saison. Comme d'ailleurs pour cette saison 3, où on passe de 22 à 13 épisodes. Ils sont tout bizarres là. Mais justifier le renvoi de 3 acteurs à cause de cela est une grande preuve de crétinisme. Car ils en ont viré 3, mais ils en ont réengagé 3. Et quasiment au même salaire. Le compte est bon. Mais je vous vois dire, mais pourquoi, qu'est-ce que la production, elle a fait ça? M'en fous, c'est moi le chef. En fait, c'est une couverture. En cherchant un peu sur la toile, on découvre que John Carroll Lynch avait décidé de quitter la série pour travailler sur un nouveau projet, d'où nos armes. Bon, c'est décidé, je me barre. À cette annonce, les producteurs ont pris peur de casser le dynamisme de la série et ont donc décidé de trancher dans le vif en renvoyant les 3 flics et en engageant 3 nouveaux et en apportant une nouvelle histoire. C'est juste. On entendra aussi beaucoup parler de recentrer l'intrigue sur Dana. Mais j'ai eu bon chercher sur la toile, je n'ai pas trouvé de lien de cause à effet entre une mauvaise ambiance de tournage et le choix de ce départ. Au final, la production a décidé de prendre la responsabilité de ces changements, même si elle n'en est pas responsable. Enfin, tout du moins pas à 100%. On a essayé de faire au mieux. Malheureusement pour eux, cela ne suffira pas, car la nouvelle est tombée il y a quelques jours. Au vu des chiffres de la saison 3, il n'y aura pas de saison 4. La série s'arrête là. Et c'est pas dommage, parce que cette saison 3, c'est de la merde.